c'est-à-dire les aveux, c'est un principe d'abord pour procéder à la délivrance. Tant que la personne ne fait pas des aveux, on ne peut pas délivrer la personne. Donc ici, ce qui est plus important, ce sont les aveux. Or, quand la personne fait des aveux, la personne peut même mentir. Elle peut vous dire que non, elle fait les aveux. Ou elle peut te dire, je suis sorcier. Tu penses que ça, c'est gagné. Or, ce n'est pas gagné. Elle te dit, le sorcier, mais elle ne peut plus avancer dans les aveux. C'est là qu'intervient le ministère prophétique. Nous, on a la capacité de faire ressortir tout ce qu'ils ont fait. On peut le faire. Or, si on le fait, ce n'est plus une confession, c'est une révélation. Or, sur la base de la révélation, ça n'aide même pas même le sorcier. Or, le sorcier doit faire des aveux, c'est une confession pour être délivré de la sorcellerie. J'ai dit, Dieu sait qu'on a tout, on fait des bêtises, mais pourquoi on nous demande de parler, de confesser? Quand on va à l'église, on confesse. Il y a d'autres même dans leur église, mais il y a un prêtre qui est là, qui vous fait spécialement confesser, 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 confesser. Or, c'est important, les aveux. Nous permet, ça dit que ça permet à la personne de dire, elle ne veut plus être dans ça, sauf ça qu'elle dit des choses. Et sur la base des aveux, on peut délivrer un sorcier. Or, si le sorcier n'a pas fait des aveux, on n'allait jamais le délivrer. Voilà. C'est une histoire qui dit beaucoup dans la famille. Dans une famille, ça traînait, 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 traînait. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on tire au clair cette histoire et que la famille soit totalement délivrée. Tu es sorcier? Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Larissa. Comment Larissa? Gomedo. Tu n'es pas mariée? On m'appelle Madame Koulibaly. Ah. Donc, elle est à la mairie, là. Tu n'as pourtant pas écrit là-bas. Ah. Et donc, elle est Madame Koulibaly. C'est-à-dire que c'est légalement mariée où? À Bobo. Hein? À la mairie d'abord. Derrière Rai ou devant Rai? Non, c'est pas derrière, c'est à la mairie. À la quoi? À la bas. La mairie d'Abobo. Tu étais sorcier puis tu es marié. Oui. Hein? Oui. Hey, je te demande. Hein? Oui. Ah, vous êtes venu ici, vous êtes resté longtemps. Je suis en train de prendre vos sujets. Je suis en train de vous délivrer. N'est-ce pas? Oui. Tu ne veux pas délivrer ou tu es délivré? Je vais délivrer. Donc, tu étais d'abord marié, sorcier avant d'aller te marier. Oui. Comment pour où? Dans une église? À la mairie. C'est marié à la mairie avant d'aller à l'église. Et puis, ils n'ont pas vu ça là-bas? Non. Voilà, c'est ça le danger. Personne n'a vu ça. Il y a un homme de Dieu qui a vu, il a fait ma délivrance. Et quelques mois après, il dit que j'ai été délivré. Non, attends. Tu me regardes là, je suis un comédien. Il y a un homme de Dieu, monsieur. Toi-même, tu peux savoir si tu es délivré ou pas. C'est pas des hommes de Dieu. Ça veut dire que tu n'as jamais été délivré. Non. Ah, c'est ce que je veux que tu... Je n'ai pas fait les hommes de Dieu, mais je n'ai jamais été délivré. Et tu es entré dans le mariage. Ça veut dire que tu as fait le dégât à M. Koulibaly. Hein? Tu as fait quoi à M. Koulibaly? Avant de venir... D'abord, qui t'a donné la sorcellerie? Ma grand-mère. Où elle est? Elle est assise là-bas. Elle est assise là-bas. La vieille qui est assise là-bas. Ouais. C'est elle qui me salue pour dire au nom de Jésus. C'est elle. Elle me salue au nom de Jésus. J'ai dit, il faut le respecter, hein? Tu dis au nom de Jésus. Je le disais dans mon bureau là. Jésus là. Je l'ai vu plus de 30 fois. Toi, tu ne l'as jamais vu. Donc, il ne me considère que toi. Si tu te considérais, tu allais le voir petit, même en rêve. Moi, je l'ai vu plus de 30 fois. Vous, les sorciers là. Il y a un problème dans la famille. On est venu régler le problème. J'ai dit à la vieille, ce n'est pas parce que les enfants disent, mais moi-même, je sais qu'il était sorcier. Avant que cela ne parle. C'est maintenant en train de parler. C'est pas maintenant, c'est lui, toi et moi. Si. Oh, le jour, elle sautait là. Je lui ai dit, mon détecteur là, t'a pris. C'est un détecteur que j'ai. Le corps à quoi est toi, ça te prend. Tu as 10 ans, ça te prend. Voilà, je suis en train de régler le problème. J'ai dit aux gens, si pour une sorcellerie doit vous diviser, que ça vous divise. Mais au moins, on vous a déjà éclairé. À la longue, d'autres vont comprendre. Parce qu'il y a des gens qui sont envoûtés. Pour le moment, ils ne comprendront pas. Parce que sur le principe de l'envoûtement, comme avait l'enfant du pasteur là. Il a envoûté son papa. Tous ceux qui parlaient à son papa, de moi, ils ne les écoutaient pas. Jusqu'à ce que la prière a fait que son papa était libéré un peu dans la tête, il a fini par comprendre. Donc, il y a des gens qui sont envoûtés. Tu vois, pour dire, il ne peut pas comprendre. Voilà. Donc, il y a un problème de sorcellerie, je suis en train de le régler, et puis je vais arriver. Parce que le dossier, là, c'est encore plus intéressant. C'est vrai que votre dossier, mais je suis là, je prends cap à cap tout à l'heure, je viens prier pour vous. Jusqu'à ce qu'au moment de partir, j'aurai déjà réglé beaucoup de choses. Mais c'est vraiment un sujet très important. Parce que non seulement ça, elle est sorcière. Et puis elle allait dans une église. Vous comprenez? Quand c'est comme ça, c'est déjà sérieux. Or, un sorcier dans une église, comprenez les dégâts.
Et ils vont vouloir narguer le pasteur, ils vont vouloir faire des choses. Bon, non, j'ai dit. Donc tu es sorcier, c'est ça? Oui. Qui t'a donné la sorcellerie? Je dis c'est ma grand-mère. Voilà. Tu es d'accord que qu'on fasse ta délivrance? Oui. Tu vas parler? Oui, je vais parler. Mmh. Tu es sûr que tu veux parler? Oui. Ok. Maintenant, si tu ne veux pas parler, on n'a qu'à faire quoi? Si je suis bloqué, que je n'arrive pas à parler, c'est que je n'arrive pas à dire à vous. Comment on a fait ça ensemble? Oui. Tu es mon enfant, Sam. Non. Quand vous avez le don de dévaler, là, vous me mettez sur le chemin. Il ne faut pas compter sur mon don, puis je vais t'aider. Non, non, non. Parce que ce principe-là, ne compte pas sur mon don pour dire il va m'aider. Il faut parler. Je vais parler. Si tu ne parles pas, je te fais tomber sur moi à tout moment. Je vais parler. Ça veut dire que je te fais tomber un coup, tu traînes, et puis je te fais debout, et puis on avance dans la confession. Voilà. Tu as parlé. Tu es fatigué de faire sorcellerie. Oui. Tu es sûr? Oui. Hmm? Oui. Quand elle t'a donné la sorcellerie, ta grand-mère, oui. Comment elle t'a donné ça? Comment mon papa était décédé, on est parti au village. Papa, d'abord, c'est mon grand-père qui était décédé. Moi, quand mon grand-père est décédé. Tu avais quel âge en ce moment? 4 ans. Quand on m'a donné la sorcellerie, j'avais 4 ans. Maintenant, tu as quel âge? Maintenant, j'ai 30. Et 32 ans. Tu as beaucoup mangé. Français, ils vont dire que tu es trop bé. Hein? À 4 ans, c'est ça? Oui. Vous savez qu'elle a 28 ans. Elle a fait 28 ans de pratique sorcellerie. C'est ça? Oui. Voilà, son vœu, 28 ans. Donc, tu as beaucoup mangé. Ok, allons-y. Donc, à la mort de mon papa, après l'enterrement de mon papa, maman m'a laissé avec elle au village et puis elle est revenue. Avec ta grand-mère? Oui, c'est elle qui m'a élevée. Maman, elle est rentrée en ville pour se chercher et puis nous envoyer de quoi à manger. Donc, j'étais avec elle et dans ça, une nuit, après avoir mangé, elle a papa, on a mangé physiquement, une nuit, je dors, la nuit, je vois comme... Je me vois dans un lieu que je ne suis pas habituée à être là-bas. Mmh. Oui. Grâce à l'initiation, on me dit non, c'est ici maintenant, tu vas travailler. On t'a embauché. C'était direct. On t'a embauché. Ah, c'est quel coin ça? C'est quel coin? Puis tu n'as pas dit non, je me retourne. Moi, je ne savais pas comment se retourner. Mmh. Donc, elle dit désormais, c'est toi. C'est toi qui vas être mon envoyé. Mmh. Je vais t'envoyer dans les missions. Voilà, accompli la mission. Oui. Et si tu reçois une mission, je vais te donner, tu vas devenir reine. Donc, j'ai commencé. Première mission, je me suis transformée en garçon. Je suis partie coucher à maman. Et j'ai enlevé son enfantement. Donc, tu as eu Kiki là-bas? Oui. Comment tu fais? Ah, donc c'est la même méthode, vous voyez. Je voulais savoir aussi, ouais, tu vois, ça peut d'autres méthodes. Je veux savoir si c'est pareil, quoi. Je veux savoir si la même méthode, comment on fait. On fait quoi les cuisses? L'autre l'a dit, je fais ça. Il dit, c'est quoi? Il dit, elle ne connaît pas. C'est les cuisses. Tu fais comment? Elle tape les cuisses là. Les deux mains, ou c'est une main qui tape la cuisse? Une main, c'est deux. Et, quand et puis elle... qui sort? Maintenant, j'ai... Hein? Oui. C'est combien de mètres? Pas tu ne mesures pas. C'est long quand même. Excusez-moi. C'est long. Donc, quand ça s'est fait comme ça, tu as couché avec ta maman. Et j'ai enlevé son enfantement. Comment tu as fait? Je suis couché avec elle, puis j'ai enlevé. Quand je suis couché avec elle, puis j'ai enlevé. Quand j'ai enlevé, comment elle tu as enlevé ça? À travers le rapport. Le rapport. Puis maintenant, ça a créé des douleurs au niveau de... Elle a commencé à sentir des douleurs. Ça dit, c'est pas un kiki qui est naturel. Ça peut faire 2 mètres. Donc, quand j'ai enlevé. Oui, il faut que j'explique ça. Parce que c'est pas un kiki naturel. Donc, ça peut faire 2 mètres. La femme, elle a bobo doumant. Elle a problème de bavane. Elle a tout détruit dedans. Et ça fait des années chercher un enfant, ne gagne pas. Mmh. Maintenant, moi aussi, j'ai envoyé son enfantement là-bas. Et lui est donné. Et il comment tu as fait parler dans nous? Je me suis transformée. C'est pas possible. Oui, madame Koulibaly,
Le sorcier ne peut jamais donner enfantement. Ça a été un miracle de Dieu. Non, il ne faut pas t'attirer, tu lui as redonné, c'est pas ça? Il n'a pas dit redonné Non, j'ai enlevé. J'ai dit, j'ai enlevé pour moi la conférence. Oui, ça j'ai compris. Tu as... C'est dans la conférence là-bas, j'ai donné ah, ça. Ah, d'accord, je comprends. Donc quand tu as pris ça... J'ai envoyé la conférence. Et tu allais donner... Et puis on m'a à la conférence. Mais à qui? À ma soeur qui m'a envoyé en mission. Elle n'a pas de nom. Voilà. T'as donné ça à ta grand-mère. Oui, et elle m'a elle t'a pas remercié. Elle m'a remercié, elle m'a nommé reine. Ah, donc c'est pas trop. Il n'est pas duré. Stop. Elle t'a donné, tu ne dis pas comme reine. J'ai été reine. Elle m'a nommé reine. Maintenant, deuxième mission. Ils sont pareils, ils sont même chose. Sorcier là, c'est même chose. Il n'y a pas son Yakuba, il n'y a pas son Bété, il n'y a pas son gourou. Tout le monde, même chose. Oui? Maintenant, physiquement, maman a commencé à avoir des problèmes d'enfantement. Donc, un jour... Oui, sa mère, ça va? C'est comme ça? Tu as eu les problèmes de monde, de mots de vente, des règles douloureuses? Ouais, ça donc, un jour, ça m'a... Hein? Oui. Oui. Et Dieu m'a fait pitié, donc je suis partie me confesser à l'église. Et j'ai dit ça. Elle m'a dit que partout je passe, on dit que c'est toi qui es derrière moi. Cela a dit c'est vrai. Moi j'avais pitié, donc je lui ai dit oui, c'est moi. Donc je suis partie confesser ça. Et l'homme de Dieu a prié. Il dit non, on va de laisser la sorcellerie là. Mais comme déjà était nommé reine là-bas pour laisser, c'était pas facile. Donc je n'ai pas pu. Tu n'as pas délivré. Tu as parlé, mais tu n'as pas délivré. Mm-hmm. Écoutez très bien, remarquez un peu quelque chose. Ça dit, elle a parlé, mais celui qui devait la délivrer, il n'a pas pris ça au sérieux. Il pensait que c'est la victime qu'il fallait délivrer. Or, il ne met pas l'accent si elle-même, c'est qu'elle sorcier là, vous dit que c'est plus dangereux quand elle a ça. On m'écoute très bien. Et puis, j'en profite pour dire, tout ce qui est à la vidéo, il faudrait que les gens comprennent que il y a des enseignements que vous devez apprendre dans ça. Parce que même si la victime, le sorcier entend de faire des aveux à la victime pour dire « je te manque, qui t'a détruit », mais le sorcier doit être, on doit prendre son sujet au sérieux. Parce que c'est ce qui, cette personne-là, qui a détruit, c'est qu'elle est la victime. Mais il faut la débarrasser de la sorcellerie. Sinon, en priant pour la victime, qu'on ne délie pas celle qui a la sorcellerie, elle constitue encore un danger pour la société. Elle constitue un danger pour la société. Or, les gens, ça leur dit rien. Comme elle a parlé, bon, c'est fini. Non. Or, le pouvoir est là. C'est parce que, c'est pas parce qu'elle a parlé que le pouvoir est parti. Le pouvoir de la société demeure en elle. Et donc, elle va continuer de faire des dégâts. Donc, quand ça s'est passé comme ça, le pasteur a prié. Puis pour que ta maman enfante. Enfante. Pas pour toi. Pour moi, plus qu'elle était, il n'a pas pu parce qu'elle était déjà reine. Moi, je vais te délivrer. Non, délivre, même si tu es reine. Même si ça a dépassé grade même de reine, nous on t'a délivré. Nous on a délivré les gens qui sont sixièmes sur le plan national, on les a délivrés. Qui ont même dragon, ils ont serpent, le dragon les délivre. Et puis on va tuer les serpents. Oui, non, tout ça ici. Donc, quand ça s'est passé comme ça, je suis revenu, je suis reparti au village. Vous la voyez là, c'est écrit sorcellerie. Hein? Si vous la voyez, maman, vous qui aimez. Appeler les filles. Si tu restes tranquille avec ta femme pour parler là. Vous avez compris? Parce que la sorcellerie là, la sorcellerie qui est là, ça commet trop de dégâts. Ça fait trop de dégâts. Moi je vous conseille la prudence. C'est encore mieux. Or, une sorcière dans ta vie, j'ai mal barré. Elle va te détruire à petit feu. Tout détruit. Tu sais pas, la première action qu'elle va commencer à mettre dans ta vie, c'est tuer ta conscience. Tu te fais croire que, oh non, c'est rien, non, c'est rien. Puis tu vas commencer à l'aimer. C'est là, tu vas voir qui a mis sucre dans papaye. Tu vas connaître qui a mis sucre dans papaye. Elle va commencer à te dégrader et dégrader et dégrader. Au moment où tu vas te rendre compte, tout est déjà fini. Oui, tu n'as que des yeux pour pleurer. Mao, les yeux pour pleurer. C'est Mao. Oui, ça va? Oui. Donc, quand ça s'est passé, maman a commencé à enfanter.
Donc, on a eu le miracle de la victime. Dieu a fait, il y a eu le miracle. Or, c'est que la pratique même, on la laisse dans la nature. Donc, elle continue, c'est ça? Donc, maintenant, une année, elle m'a fait venir à Abidjan, quand j'ai eu mon entrée en 6e. Et quand elle m'a... Mais t'as un moment qu'elle a enfanté, toi, tu avais toujours la sorcellerie. C'est ce que je voulais entendre. Donc, elle m'a offert beaucoup de cadeaux. C'est ton maman, c'est normal. Elle m'a donné de l'argent, elle m'a fait visiter ses magasins, ses Et tu avais des magasins. Et tu as dit, ma fille vient pour regarder les cyber. Et je passe dans le coin, je prends la photo. Oui, allons-y. Et j'ai pris la photo de tous ces magasins, là, je suis partie montrer. Et on a chié dessus. Oui, après quoi? On a chié sur ces photos-là pour ne pas que ces trucs-là existent encore. Où ça? Elle a fait quoi? Tout est tombé à l'eau. Tu as fait quoi? J'ai dit, j'ai pris le... Quand elle m'a envoyé, là, puisqu'elle était à côté, elle était ensemble, donc je prenais la photo de ces magasins. Ok, donc tu as dit, quand vous rentrez dans les magasins, toi tu prends, pra, pra, pra. Donc tu as l'image, tu as pris l'image de tout ce que tu as visité. Et tu as envoyé ça là-bas dans ta confrérie. Et ils ont fait quoi? On a chié dessus, on a déposé où on défait quoi. Mm-hmm. J'ai chié dessus. Tout gâté. Et tout est tombé à l'eau. Tout. Oui. Donc, quand ça s'est passé comme ça, moi encore, je suis partie me confesser encore. Je lui ai dit, et cette fois-ci, elle a eu peur maintenant de m'approcher. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, et tu voulais qu'elle t'approche? Vous avez compris ce qu'elle a dit? Que ma maman a eu peur de m'approcher. C'est normal. La première action, tu as détruit sa fécondité. Ok, tu es venu faire des aveux. Ok, ils ont prié, ça marchait. La deuxième action, tu détruis toutes ses affaires. Elle tombe en ruine. C'est-à-dire, rien ne va. Et toi, tu fais des aveux. Et puis toi, tu dis qu'elle a peur de t'approcher. C'est normal qu'elle ait peur de toi. Donc quand ta maman ne t'approchait plus, ça te dérangeait. Donc quand elle ne m'approchait plus, j'ai dit, celle-là, c'est vraiment que... T'es dangereux. Je suis devenue grave maintenant. Donc, moi aussi, comment faire? J'ai commencé aussi à me chercher. Comment? J'ai commencé à me chercher. Étant à l'école, j'ai commencé à chercher comment faire pour vivre chez moi-même. Donc j'ai croisé un jeune. Et il m'a aimé sur la route. Dit quoi, t'as aimé. Je passais devant lui et il m'a vu. Comment tu as passé? Tu as passé comment lui t'a vu? Quand je suis passé, j'ai versé un parfum spirituellement. Mm-hmm. Et ce parfum-là, c'est l'a envoûté. Il m'a appelé. Et quand il m'a appelé, je me suis dit. Vous avez compris? Dis à quelqu'un, t'as compris. Dis à quelqu'un. Tu vas laisser ta femme à terre. Tu laisses à moi. On les prend pour tout le monde. Tu vas avoir tous les problèmes. Oui, comment t'as fait? Donc, quand il a versé ce parfum-là, il m'a appelé. Il t'a appelé en même temps. Le gars a embouté. Quand il m'a appelé, il dit, moi, je suis en route. Il dit, non, moi, je vais t'accompagner où tu vas. Mm-hmm. Et il m'a accompagné jusqu'à où je partais à l'école. Donc, il m'a accompagné jusqu'à ma école. Et c'est comme ça, on s'est habité jusqu'à ce qu'il soit aujourd'hui mon mari. Il t'a dit, va te marier forcément. Il dit que lui ne peut pas me laisser, que c'est un mariage. Une femme comme ça que lui, il cherche. Hein? Il dit, non, moi, à l'heure là, si je lève, que je ne cherche pas de femme. Je cherche pas à être femme mariée actuellement. Il dit non que... Oh, toi, tu avais déjà envoûté. Oui. Mais tu viens ton petit malin. Non, elle sait ce qu'elle veut, mais elle fait son petit malin. Oh, elle avait déjà envoûté le monsieur. Et on était ensemble jusqu'à ce que... J'étais avec mon oncle jusqu'à ce que la mort de mon oncle... Si vous voyez une femme qui vous regarde trop, elle est haute, vos figures. Et puis continuez vos trucs. Ou bien tu prends la photo de ta femme, c'est dans ton portable qui regarde. C'est pas un péché. Amen. Si la fille là t'a dérangé, tu prends la photo de ta femme,
Maintenant, c'est important de mettre pour toi, photo sur l'écran, que tu regardes de temps en temps. Ouais, c'est celle qui t'a choisi là, qui est la plus belle. On dit pas amen? Amen. Pourquoi vous ne parlez pas? Ah, chacun fait le meilleur choix. Ah, mais c'est ce qui est vrai. On réfléchit quand on fait le meilleur choix. On dit, ok, c'est ça là. Donc, si tu vois que quelqu'un, façon, tu regardes le portable, tu te dis, ma chérie, c'est toi qui es meilleur. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est connerie, tout à l'heure. Comme ça, tu ne seras pas envoûté. Toi, tu te retrouves derrière les maisons chaque nuit comme chat, en train d'appeler une petite. Oui, allons-y. C'est comme ça, lui et moi, on s'est croisé. Et maintenant, j'étais de Divonne, on a fêté mon oncle à Iré. Et on était à Iré. Ah, tu as fait Divonne? J'étais c'est au lycée ici. Tu as attrapé le gars ici? Tu l'as envoûté ici. Et puis c'est ici où on t'a désenvoûté. C'est intéressant, hein? C'est la ville là où tu es envoûté que la ville peut te désenvoûter. Ah, mais c'est puissant. Étant à Iré, je vivais toujours avec mon oncle. Oui, bon. Quels sont les dégâts que tu as causés? Tu as tué? Tu as fait quoi? C'est ce que je veux entendre maintenant. Mais ça, c'est une histoire de vos rencontres. Ça, c'est pas, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu as fait comme dégâts? J'ai tué. Le pasteur qui nous a mariés, je l'ai tué. Ok. Il est mort. Vous l'avez tué. Vous l'avez vu, non? Vous dites, ah! Ils sont dans une logique. C'est si Passé va commencer d'abord à s'entraîner. Oui. Tu l'as tué comment? Ah. Ils ont voulu. Hein? Agapé. Puis le pasteur. Il a mangé. Il y a une dame qui nous a dit la nourriture qu'il aimait. Et puis c'est qui tu as fait? On a fait. On a le pasteur n'a pas laissé le plat. Il a mangé. Depuis qu'il a mangé, c'est plus retrouvé. C'est plus retrouvé, puis le mort. Et tu l'as mangé? J'ai mangé aussi, mais c'est tu pas... Tu as mangé le pasteur. Comme c'est toi qui l'as tué, tu as mangé le pasteur. C'était en conférence, l'a tué. Mais qui l'a tué? Tu as dit c'est toi qui l'as tué. Et tu as partagé au mentor, tu l'as mangé, tu as mangé le pasteur. Tu as mangé le pasteur. Quelle partie du pasteur tu as mangé? J'ai mangé sa cuisse. Et tu as bien mangé ça? Ok, on y va. Tu as tué qui encore? J'ai tué mon deuxième enfant. Deuxième enfant. Ça veut dire quoi? À la conférence là-bas, j'avais un enfant. Ici maintenant, comme on m'encaissait, parce que c'est des tours de rôle. Non, on connaît ça. Donc maintenant, j'ai donné mon enfant. Tu avais dit quoi? Tu as donné le bébé? Oui. Pour qu'on mange? Oui. L'entrassement quoi? En attendant que, puisque je ne pouvais pas approcher ma maman, parce que le but c'est de tuer ma maman. C'est de l'attraper. Oui, mais comment faire pour l'attraper? Je n'avais pas de stratégie. Non, chaque stratégie que je mettais sur peine, c'est de jouer. Je la protégeais. Ça jouait. Donc, j'ai préféré donner mon enfant. À qui? J'ai tué mon enfant pour donner crédit pour les gens qui ont mangé. T'as pris crédit qui? Dans ma famille, côté paternel. Qui t'a donné la sauce-lait? C'est ma grand-mère. Non, c'est là-bas que tu travailles. Mais c'est là-bas que tu travailles. Oui. Oui, donc. Mais il y a une association aussi. C'est ça qu'on appelle la confrérie. Elle va t'intégrer dans sa confrérie. Elle ne t'intègre pas dans d'autres confréries. Quand elle t'initie, là, tu as dit qu'elle t'a donné une mission, n'est-ce pas? Oui. Hein? Quand elle va t'initier, elle t'intègre, elle dans sa confrérie. N'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, après avoir tué mon enfant au village, j'ai tué aussi. Il y a un jeune, un temps. Non, tu n'as pas expliqué. Tu as donné le crédit, tu as payé le crédit de qui? J'ai payé le crédit parce que je devais
il y a un groupe de dans nos confréries là-bas, du côté paternel de ma maman. Tu n'as pas compris. Dans la confrérie de ma grand-mère, le côté paternel de ma maman. Les gens de... Tu es dans quelle confrérie? Confrérie de ma grand-mère. Oui. Mais souvent... On... Quelle grand-mère? Maternelle? Oui, grand-mère maternelle. Oui, mais, oui. Maintenant, souvent, c'est la réunion, si c'est une grande réunion, si c'est fin d'année comme ça, les réunions, là, c'est grande. Mm-hmm. Et les conférences se rassemblent. Mm-hmm. Maintenant, c'est dans ça, maintenant, il y a eu à prendre crédit dans l'autre conférence. Tu prends crédit ailleurs. Et pourquoi? Oui, et pourquoi? Puisque notre conférence, là, il n'y avait pas de tout donc, il n'y avait pas d'opération, donc, oui, donc on écoute les gens que tu as tués. J'étais en histoire avec un élève. Pendant, on était à l'école, au village. J'étais en histoire avec un élève. Donc, un matin, il m'a fait quelque chose, ça ne m'a pas plu. Et moi, je lui ai programmé l'accident. Et ce jour-là, on a fini de faire le coup, il est revenu. Or, il ne sait pas qu'il partait pour faire accident. Il est revenu me provoquer, même chose encore. Il lui a dit, il faut te méfier. Et quand il est parti, c'est quand ils sont venus annoncer à l'école que c'est sa mère. Vous avez compris, non? C'est ce que je vous donnais tout à l'heure comme enseignement. Et ils ne font que programmer. C'est nous qui devons de programmer les choses. C'est bien saisi. Ok. Maintenant, j'ai tué aussi, dans notre village là-bas, il y a un vieux, il est décédé aussi, il a participé aussi à sa mort. J'ai tué parce que dans sa conférence, les gens cherchaient les moyens, ils n'arrivaient pas à l'avoir. Et moi, je leur ai donné. Je leur ai montré la stratégie. En quoi faisons? En leur donnant. Parce que je prenais un scorpion. Voilà. Venait de scorpion. Je vous ai pas dit ça tout à l'heure. Je vous ai dit ça dans le bureau. Et ils ont dit le monsieur est malade. Elle travaille avec le scorpion. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Ils ont dit le monsieur est malade, l'envoie à l'hôpital. Elle travaille le scorpion. Et à l'hôpital là-bas, piqué qu'on devait lui faire là, c'est venait de scorpion. Ils ont fait le piqué avec ça. Il n'a plus résisté. C'est comme ça, il est mort. On y va. Et ton oncle, c'est toi qui l'as tué? Oui. Ta grand-mère dit de le prendre? Oui. Et tu l'as pris son... Après avant de donner les médicaments, il ne pouvait pas mourir. Donc, on a pris sa canne parce qu'il était handicapé. Et la canne, en sorcellerie, c'est comme c'est fait. C'est fait, ouais. C'est un fait. Donc, on a pris pour le taper sur sa nuque. Il est mort. Et tu l'as mangé? Oui. Quelle partie? Moi, j'ai mangé son bras. Et la maman a mangé quoi? La maman, c'est elle qui a partagé. C'est elle qui a partagé. C'est son enfant. C'est sa viande. Mais c'est toi qui as tué. Moi, c'est moi et ma maman. Je vais lui faire le coup. On t'écoute. Quels sont les dégâts que tu as causés dans la famille? Tuerie, allons-nous, ça fait tuerie. Tu touches un peu tuerie, les dégâts. Les dégâts, après avoir gâté pour ma maman. Non, tuer ton bon oncle. Parce qu'on était lancé le tuer. Après avoir tué mon oncle, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai une tante qui elle est soeur. Donc, comment elle va faire? Un jour, elle a fait venir. Ma grand-mère à Abidjan, parce que moi je ne connaissais pas. En temps, j'étais à Abidjan avec eux là-bas, je ne connais pas où ils habitent. Avec la comédie. Physiquement, je ne peux pas. Non, mais tu connais en esprit. Faut arrêter ça. Faut pas dire non, il ne connaît pas. Toi, tu connais un sorcier qui est dans une famille, c'est où tout le monde habite. Faut pas rencontrer tes bêtises. Maintenant, quand elle est arrivée. Quand tu dis non, il ne connaît pas, ça m'énerve déjà. Quand tu as besoin de dire, il a sauvé une chose, je fia, ou bien à Coco dit, tu connais. T'as pas envoyé, mais toi tu connais. Je n'étais pas allée là-bas, elle est arrivée. Quand elle est arrivée, elle est partie. Elle est arrivée dans la cour. Elle s'est dirigée directement dans la toilette.
toilette de la sœur pour déposer caméra. Qui c'est, ta grand-mère? Oui. Elle a déposé caméra. Et c'est à travers cette caméra-là qu'on se communique. Ça veut dire quoi? La caméra est là et tout ce que la sœur fait, on voit dans le monde spirituel. Maintenant, comme elle a dit depuis qu'elle est petite qu'elle veut servir Dieu. Et c'est pourquoi elle a pris le chemin pour être sœur. Donc, comment on va faire? Il faut qu'on lui crée tous ses problèmes et pour qu'elle renie à ce qu'elle a dit. Elle renie de servir Dieu. Elle renie à ça. Donc, comment faire? Ils vont engager maintenant spirituellement les gens pour venir prendre. Ils vont engager, ça veut dire quoi? Dans la conférence là-bas, ma grand-mère. Pas arrêter tes conneries. Je vais parler. Oui, vas-y. Ma grand-mère. Oui, t'as envoyé. Oui. On a envoyé, on a en accord avec les autres conférences. Parce que si ça aboutit, on a pris à l'aide. Tu es malade ou bien? Tu es malade. Il n'y a pas une conférence, c'est toi. Si on met la caméra, tu as bien dit tout à l'heure dans l'introduction, c'est toi qui l'a envoyé de ta grand-mère. Ils ont qu'elle abouti. C'est quand ça ne marche pas de tuer l'homme qu'on envoie des gens. Sinon, pour dégâts, là, c'est de vous, c'est la même confrérie qui tue, qui détruit des gens. Pour dégâts, là, je n'étais pas seul. C'est ça que je veux dire. J'aime pas ça. J'étais Non, je n'aime pas ça. Si tu veux parler, il faut parler. Il ne faut pas jouer, il ne faut pas me berner. Je sais ce quand tu dis la vérité, je sais que tu mens. Tu as détruit quoi? Quand t'as envoyé là, tu as pris son argent, c'est pas ça? On a pris l'argent, oui. Maintenant, alors? Ils sont partis, j'ai envoyé, puis on l'a enterré. Mais pourquoi tu veux accuser des gens comme si toi, tu es sainte? Mais si c'est ce qu'ils t'ont même dit, c'est-à-dire que tu veux nous embrouiller, pour dire non, on l'a fait tant, oh toi-même tu ne... Oh, tu... Faut pas nous emmerder. Tu veux faire les aveux ou tu veux pas faire les aveux? Hein? Parce que tu as tué, on n'est pas comme ça. Hein? Je vais faire. Ici là, c'est ton terme ministre, hein? Non, tu n'es pas venu ici, on t'a envoyé ici. C'est pas toi qui es venu ici. Faut pas le langage là. C'est pas toi. C'est toi qui as trouvé tout ici. Hein? On t'a envoyé ici. On t'a appelé. Ils ont fait comment pour t'appeler? Ils m'ont appelé au téléphone. Ils ont dit quoi? Ils t'ont rien dit. Ah! On t'a attrapé. Bah! T'as pas dit tu t'en pièges. Tu sais tant de pièges. Ils étaient dans le piège. Faut pas dire que c'est pour cela que je suis venu. Tu n'es pas venu. Piège que tu tends là. Nous on a attendu piège, on t'attrape aussi. Oui, oui. C'est pour te délivrer. Donc faut pas dire que c'est toi qui es venu ici. Il faut bien parler. Tu as compris? Je t'écoute, allons-y. Donc l'argent a été enterré. Et aujourd'hui, ça a fait problème dans son lieu de service là-bas. Oui. Comment? Comment vous avez enterré l'argent? L'argent a été, quand j'ai enlevé, parce que tout était par caméra. Je sais, ouais. Comment donc tu as pris l'argent? Quand j'ai enlevé, cette nuit-là, quand j'ai enlevé, c'était un truc, c'était les pieds. Et maintenant, j'ai parlé dessus. Quand j'ai parlé dessus, j'ai soufflé. Puis ça s'est retrouvé dans la conférence là-bas. Maintenant, quand ça s'est retrouvé dans la conférence là-bas, et là, maintenant, on l'a enterré. Je n'ai rien compris. Hein? Je dis, c'est là, maintenant, on l'a enterré. Tu as pris l'argent là, où? De ta tante, là. Tu as pris ça où? C'était dans son bureau. Mm-hmm. Et puis, tu as fait quoi? Et puis, je suis parti avec ça, en conférence. Mm-hmm. Juste le but qu'on voulait, on veut atteindre, c'est qu'elle renonce à l'œuvre qu'elle fait. Mm-hmm. Qu'elle renonce à l'œuvre qu'elle fait, qu'elle... Parce que si elle est aimée de ses patrons. Ah, un diable. Si vous faites ça, moi j'arrête. Hein. Oh. Gros cœur, là, fais pas notre travail. Là. Ça va un cœur bien apaisé qu'on arrête. Sinon, si j'arrête la séance, je peux remettre ça l'autre week-end. Je suis en train de travailler parce que je sens que je peux maintenant arracher des aveux. Or, si vous voulez régler comment vous entendez la chose, nous n'allons pas régler ça. Allons-y. Donc, quand j'ai enlevé, maintenant, le but qu'on voulait atteindre, c'est que tous ces patrons-là... Elle a été braquée, non?
Oui. Que ce patron-là dise que non, qu'elle n'est pas, elle n'a pas vraiment la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, qu'elle n'est pas une bonne sœur, pour qu'elle puisse abandonner le chemin-là. Et puis qu'elle se retrouve au village. Donc tu voulais la ramener, tu voulais la ramener au village. C'était le but. Maintenant, quand j'ai fini ce dégât-là, maintenant, puisque ma tante Lydie, elle est rentrée en Europe, la veille m'a caché, mais spirituellement, elle m'avait tout dit. Donc, puisque mon oncle vient de mourir il n'y a pas trop longtemps, que si on la tue, tout le monde saura. Donc, comment elle va faire? Maintenant, c'est son argent. Chaque mois, elle envoie de l'argent. C'est pas une petite somme pour la remplacer avec son argent. Et c'est son argent qu'on prend comme elle pour le moment. On la remplace. Donc, tout son argent qu'elle envoie, elle prend pour ne pas qu'elle meure. Elle prend et travaille dessus. Tout ce qu'elle a comme argent dans sa main, elle investit, ça ne va pas aboutir. Parce que le travail a été fait par son argent. Comment on fait le travail? On dépose l'argent. Maintenant, quand ils ont déposé l'argent, on entoure l'argent en chantant. Maintenant, quand on chante, on fait. On tire dessus. Comment on fait ça? On lève dessus. On chante ensemble. Et puis on tourne, 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 on lève dessus. Les âmes là-bas. Et quand on fait ça, l'argent, tout ce que tu as à mettre, l'argent là va pas aboutir. Toutes les réalisations que tu as faites, l'argent là, ça ne reçoit pas. Donc, vous donnez l'argent, ce n'est pas là. C'est-à-dire que tu prends le temps pour venir donner l'argent à quelqu'un et c'est ce que vous gâtez. À part Lydie, tu as gâté qui? Qu'est-ce que qu'on dit à des huiles là, on va prier tout à l'heure. À part Lydie, tu as gâté qui? Non, à part son argent, on a gâté elle-même, on ne peut pas la gâter, on n'a pas de prier. Hé, je parle de toi, ce que tu as gâté. À part Lydie, tu as fait quoi et quoi dans la vie des gens? À part Lydie, c'est ma tante qui est seule. À part ma tante qui est seule, là. Maintenant, c'est dans ma maison. C'est chez mon mari. Tu ne veux pas parler? C'est chez mon mari, maintenant. Tu as fait quoi à ton mari? Puisque... Ben, tu n'as pas fini, ta famille, tu n'as pas encore fini. Tu n'as même pas encore fini. Tu as fait Lydie, tu n'as pas encore fini. À part Lydie, maintenant, c'est mon... J'ai un frère, là. J'ai un frère qui me suit. Un temps, quand l'affaire de sorcellerie est arrivée, que maman m'a laissé, donc j'ai mis dans mon cœur que... Comment il s'appelle? Il s'appelle Landry. Tu as fait quoi, Landry? Que moi, j'ai dit, comme maman m'a abandonné, que c'est Landry ce qu'elle regarde. Donc moi, je vais tout faire que ne pas que Landry réussisse. Comme moi aussi, il n'est pas réussi. C'est ce qu'elle dit. Et tu as fait quoi, Landry? Tu as fait quoi, Landry? Il m'avait donné un polo. C'est ça que j'ai pris. Un t-shirt? Oui. Parce que le polo, c'est la marque. Un t-shirt? Mm-hmm. Oui. Maintenant, c'est ce t-shirt-là que j'ai pris. Et maintenant, j'ai parlé dessus. Tu as dit quoi? J'ai pris ce t-shirt-là, j'ai envoyé la couverture. Et j'ai dit, si vraiment que on n'est pas deux enfants... qu'elle nous a mis au moins et que la différence là, que si vraiment c'est pas nous deux qui sommes ses enfants, qu'elle a mis la différence là, qu'il faut pas qu'il va réussir. Vous avez des huiles là? Venez, on va venir, on va prier pour vous. Viens, on va prier pour toi. Envoyez-moi des huiles.